Aujourd'hui, on nous maintient encore dans un mi-temps qui est imposé. Donc c'est un salaire à 590 euros net par mois. C'est 300 euros en dessous du seuil de pauvreté. Et il n'y a pas possibilité de faire un complément, justement, un cumul d'activités, puisqu'on accompagne les élèves toute là-bas au quotidien dans les classes ordinaires. On revendique aussi le fait d'avoir droit à une formation continue, parce qu'aujourd'hui, en fait, on est recruté en tant qu'AESH. On est catapulté dans les établissements. On connaît juste le nom de l'enfant et le nom de l'établissement. On ne connaît pas son handicap. Et on est du personnel qui n'est pas formé. Donc, en fait, on s'auto-forme. C'est nous qui allons chercher les informations pour essayer d'avoir un travail de qualité.